Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Changer de regard sur la vieillesse, sur les retraites en compagnie d'un philosophe, André comte ponville Bonjour. Bonjour. Vous publiez La Clé des Champs aux presses universitaires de France avec 12 textes brefs, intimes, un geste autobiographique. Vous revenez notamment sur votre enfance, votre rapport à la mort, à la vieillesse et au suicide. Rosemary Lagrave, bonjour. Vous êtes bonjour. sociologue. Vous avez notamment publié. Une conversation avec Annie Ernaud aux éditions de l'EHESS, et puis vous aviez publié votre autobiographie Se ressaisir. Vous étiez venue au matin, vous n'étiez pas contente. Il y a quelques instants, j'ai dit que vous étiez une grande voix. Mais il dit non, je ne suis pas une grande voix, et c'est justement ce que vous expliquez dans Se ressaisir. Alors je vais continuer à vous embêter, Rosemarie Lagrave. Et je vais vous demander tout d'abord si ça n'est pas une drôle de retraite, celle que vous avez prise, puisque vous continuez à travailler, vous venez à la radio. La retraite, pour vous, est-ce que ça a un sens euh, ça, ça a un sens. Mais la retraite, euh, euh, comment expliquer cela Il faut, à mon sens, regarder trois choses. Un, euh, le, le, le travail que l'on a, le métier, le travail et les tâches que l'on a fait avant de prendre sa retraite en corrélation avec l'accès à la retraite. Deux, euh, remettre les retraites... Euh, je, à chaque fois replacer le moment où on prend sa retraite dans une socio-histoire de la retraite, où on voit bien que c'est un moment qui est dans une histoire et une évolution, qui a fait progresser l'âge le, 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 de la retraite et le l'âge du repos, en sorte qu'on était arrivé à 60 ans pour la retraite et qu'on a régressé jusqu'à 62 et maintenant on veut jusqu'à 64. Et drôle de retraite, me dites-vous la troisième chose qu'il faut faire ou à laquelle il faut faire attention me semble-t-il, c'est le, de de de, le point de vue de celui ou celle qui parle de la retraite. Si j'ai une retraite singulière c'est parce que euh, c'est qu'effectivement je suis universitaire et que je continue à travailler parce que euh, c'est un, une addiction et c'est une, une joie de travailler. Mais il ne faudrait pas prendre la position que je défends pour la position de tout le monde. Donc, l'ethnocentrisme des, des universitaires par rapport à la, ou d'autres d'ailleurs euh, métiers euh, privilégiés à la fois de financièrement et dans la manière de pouvoir travailler, y compris à la retraite, ça ne doit pas être le point de vue des points de vue. Et c'est important de relativiser le fait que nous avons une singularité. Dans la retraite, parce qu'au fond on continue à travailler, à enseigner, mais on nous retire aussi certains privilèges que sont, par exemple, le de participer à des décisions. Nous ne faisons plus partie des juristes à part entière, si j'ose dire. Nous ne faisons plus partie des comités de sélection à part entière, mais nous, mais on continue à publier, à écrire, ce qui est formidable. André Comte-Sponville, vous avez pris votre retraite. Oui, très tôt, euh, à 46 ans. Enfin, je n'ai pas touché ma retraite à 46 ans, je la touche depuis, je sais pas quoi, 62 ans, euh, j'imagine, mais j'ai arrêté d'enseigner à 46 ans, grâce au succès d'un de mes livres, qui était Le Petit Traité des, des Grandes Vertus, qui a fait que j'avais plus besoin de salaire pendant plusieurs années. Et bref, j'ai arrêté d'enseigner dès que je l'ai pu. Et donc, je serais très mal placé pour faire la leçon à ceux qui veulent arrêter de travailler dès qu'ils peuvent et qui préfèrent s'arrêter à 62 ans plutôt qu'à 64 ans. Tout ça me paraît euh, tout à fait naturel. Vous savez, l'économiste Galbraith s écrit dans, dans l'un de ses livres qu'on utilise le même mot « travail » ou « work » en anglais pour désigner des activités tellement passionnantes qu'on les ferait à la limite bénévolement. Et on utilise le même mot pour désigner des activités tellement fastidieuses, fatigantes, désagréables qu'on ne le fait parce qu'on y est contraint pour gagner sa vie. Et Galbraith concluait en disant qu'utiliser le même mot pour désigner deux activités tellement différentes c'est déjà un signe évident d'escroquerie. Eh bien moi j'ai fait deux travaux dans ma vie. Il y avait l'enseignement et la correction des copies et c'est lourd. Je le faisais bien, sérieusement, mais c'est lourd. Et puis il y avait écrire des livres. Qui était, qui était moins un métier qu'une vocation. Et dès que j'ai pu arrêter mon métier d'enseignant à 46 ans, en l'occurrence, pour écrire davantage, bien sûr, je l'ai fait. Et donc ça veut dire qu'il y a travail et travail. Bien sûr, pour nous, écrire, faire de la recherche, c'est notre passion. Et donc on, est, on souhaite le faire, au fond, si on peut, jusqu'à la mort, mais on ne peut pas appliquer le même genre de, de, de discours à des métiers qui sont faits essentiellement parce qu'il faut bien gagner sa vie, et qui sont souvent des métiers fatigants, peu, peu gratifiants, et souvent, qui plus est, mal payés. Oui, oui, mais c'est ce que vous dites, c'est un privilège exorbitant. Vous dites, à, 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 à 46 ans, j'ai pu euh, prendre ma retraite, entre, entre guillemets. Mais qui peut faire ça mais personne, personne, bien sûr. Personne. Oui. Donc, euh, le, le, le travail et métiers... Il a quand même continué à, à travailler, si j'ose dire. Oui, il a continué à travailler. Mais il a, il a pu dire mais Je ne continue pas le métier pour lequel j'étais euh, salarié. Hein et qui, qui dans notre société peut faire ça Personne. Bien Nous sûr. sommes des privilégiés, et je ne veux pas que notre privilège soit le point de vue des points de vue. Ça, ça me semble important. Ça me semble. Exactement, ce important. que je disais. On est d'accord là-dessus, oui. évidemment. Mais alors, rose Lagrave, il y a une question qui est celle de la retraite. L'autre question, c'est la question de l'âge. Dans ce ressaisir, le livre que vous aviez publié il y a deux ans, vous écriviez à l'instar des transgenres et des transclasses, les transâges sont encore à inventer. <laughs> Expliquez-moi ce que vous vouliez dire. Oui, c'était un. Je ne pourrais pas l'expliquer totalement. Mais il m'a semblé que dans ces périodes où on essaie de penser la fluidité des positions sociales, que le tra la, la transfuge que, que je suis devenue, euh, à essayer de, de comprendre. Je, quand j'ai fait toutes mes études et que je suis passé d'une classe sociale à l'autre, je me disais pas transfus, je savais même pas ce que c'était. En revanche, euh, cette fluidité, ces frontières qui, qui sont déstabilisées, il me semblait que on l'avait fait pour le genre, on l'avait fait pour les classes sociales, on n'avait pas fait pour les âges. Les âges étaient de façon rigide, ils restaient dans leur euh, quant à soi, chacun dans leur. Coup coin, les jeunesses d'un côté, les vieillesses de l'autre, le, 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 un espèce de milieu euh, euh, d'âge, de classe d'âge euh, actif. Et il me semblait qu'il euh, fallait repenser ces frontières pour essayer de montrer que, comme je l'explique, on peut être vieux à 18 ans, si on change euh, de, de braquet, si on change de regard que l'on a sur la vieillesse. C'est quoi un vieux de 18 ans pour... Un vieux de 18 ans, euh, si, si, ça, ça dépend euh, de, la, de, la, de la définition que j'ai proposée. Enfin, je voudrais proposer une autre définition de la jeunesse, de la vieillesse, la vieillesse, qui ne soit pas une, position, une, une définition agiste ni essentialiste. Pour moi, euh, être vieux euh, ou, ou être, euh, commencer à être vieux, c'est euh, euh, rentrer dans, dans une non-autonomie financière, euh, économique, euh, euh, sociale, c'est euh, être dépendant des autres, soumis aux autres, c'est euh, ne, ne rester dans un conservatisme euh, de euh, social et ne pas s'ouvrir aux autres et donc euh, continuer dans ses habitudes euh, qui deviennent une seconde peau et, et donc euh, voilà on peut on peut être jeune à 80 ans pour moi et, et à 18 ans euh, Commencer à être vieux sans le savoir, quoi. André Consponville, dans une éducation philosophique, un livre que vous aviez publié en 1998, vous écriviez qu'il est banal, je vous cite, de philosopher sur la mort, plus rare de philosopher sur la vieillesse. Et pour vous, l'un des philosophes qui avait le mieux philosophé sur la vieillesse, c'était Montaigne. Qu'est-ce qui vous a appris Il m'a appris, ou plutôt il m'a confirmé dans le sentiment que j'avais, c'est-à-dire que Montaigne préfère la jeunesse. Moi aussi. Et c'est une telle banalité qu'on ose à peine euh, l'énoncer. Parce que la vieillesse, c'est pas seulement une question d'âge. Euh, on vieillit parce qu'on perd un certain nombre de... Ou plutôt, on voit diminuer hein, un certain nombre de, de capacités. Voilà. Euh, on court moins vite, on pense moins vite, euh, euh, voilà, on est fatigué plus, plus vite, notre vie sexuelle en général perd un petit peu, en tout cas pour les hommes, de, de, de développement, de, de puissance, de, de richesse. Bref, disons la chose clairement, vieillir, on ne préférerait pas. Et ce que j'aime chez Montaigne, c'est qu'il le dit tranquillement, et il dit tout, tout ce qui le gêne dans, dans la vieillesse. Sauf que ça n'est pas une raison pour ne plus aimer la vie. Voilà. Parce qu'au fond, le seul choix qu'on a, c'est mourir jeune ou vieillir, et bien sûr, mieux vaut vieillir, si vous voulez. Vous voyez, donc, euh, voilà ce que Montaigne m'a appris, c'est qu'au fond, euh, la jeunesse, c'est quand même mieux, quasiment tous égards, que la vieillesse, mais que mieux vaut vivre vieux que mourir jeune. Rosemary Lagrave, vous auriez comme ça un auteur qui, euh, pour vous, pense la vieillesse, pense la question de l'âge, ou alors euh, pourrait vous accompagner, justement, dans euh, les différentes étapes de, de l'existence Simone de Beauvoir. On, on, on ne retient de Simone de Beauvoir que euh, le, le deuxième sexe. Mais euh, la vieillesse est un livre majeur, majeur qu'il faut lire, relire, et que je suis en train de relire parce qu'il me semble très important de reprendre ce qu'elle dit. Alors écoutez, et, allez, à, vous, vous écoute. allez l'entendre immédiatement par la magie de la radio, la voix de Simone de Beauvoir. On pourrait dire d'abord que vieillir, c'est un phénomène organique. C'est-à-dire qu'il y a une évolution des organes qui amène un ralentissement, une diminution ou même une disparition des principales fonctions biologiques. Ceci est lié à des conditions économiques et sociales. C'est-à-dire que du fait qu'un homme âgé n'a plus les mêmes possibilités de fatigue et de travail, il est mis à la retraite généralement ou il s'y met de lui-même. Donc vieillir, c'est aussi cesser de travailler. Ce qui est un bien pour certains, parce que ça leur permet d'avoir des loisirs, mais ce qui est un affreux malheur pour la plus grosse majorité, parce que l'absence de travail, ça suppose une chute du niveau de vie terrifiante, étant donné que les pensions sont extrêmement insuffisantes. Vous avez écrit cet essai sur la vieillesse, Simone de Beauvoir, pour lutter contre la société qui considère les vieillards comme des parias, c'est cela Oui, en grande partie, c'est-à-dire qu'elle est considère, elle ne le dit pas, mais elle les traite comme des parias. À la contraire, des mythes dans lesquels le vieillard apparaît comme un sage, comme quelqu'un de plein d'expérience, de vénérable, de respectable. Mais en réalité, elle les traite comme les parias. C'est-à-dire qu'en effet, elle les empêche de travailler, ce qui serait un bien si elle leur donnait des moyens de vivre décents. Mais elle ne leur donne pas du tout. Et il y a une quantité d'indigents qui sont des vieillards, des vieillards qui sont des indigents considérable en France aussi bien qu'en Amérique. Voilà. On savait Rosemarie Lagrave que vous alliez oh Ah ben quand vous, dit... vous le saviez bah parce que, euh, <laughs> voilà on vous Mais connaît bien c'est tellement d'actualité ce qu'elle dit vous trouvez pas c'est absolument c'est incroyable c'est incroyable hein et ce qu'elle euh, qu 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 propose au fond c'est euh, euh, un peu ce que je, euh, ce que je disais c'est-à-dire euh, vous avez raison, André de dire, euh, voilà, il ne faut, il faut pas se laisser aller, il faut continuer à avoir des passions, il faut continuer à avoir euh, une curiosité, il faut continuer euh, à, à, à être avec les autres, avoir des sociabilités, avoir des amis, pour justement ne pas se laisser happer par une vieillesse qui euh, détruirait et une déprise euh, de, de, à la fois des capacités intellectuelles et du corps, quoi. Euh, oui, allez. -y. Non, non, mais c'est vous, euh, Rosemary, continuez. Euh, non, et, et je, je voulais dire que euh, dans, dans ce dans, dans la vieillesse, c'est quand même euh, la, la vieillesse, est un tabou quand même. Hein. On, on, on voyait, je voyais dans, dans les dix ans derni, euh, les dernières euh, dix années, on parle de la vieillesse comme d'un envahissement, comme si les vieux, tout d'un coup, euh, c'était devenu un envahissement, comme les émigrés. Je, je faisais le parallèle, les émigrés, les vieux, ça envahit. On avait l'impression, bon, il y en a pas plus, il y en a peut-être plus qu'avant, encore qu'il faudrait regarder. Mais quel est le problème Quel est le problème Et donc euh, euh, je, cette vieillesse, elle est vue par, par deux euh, façons une misérabiliste et une qui réenchante la vieillesse d'une certaine manière. Et donc euh, voilà, il faut se garder euh, des deux côtés pour essayer d'avoir, euh, à partir de faits, d'expériences. De voir quelles sont les pratiques et les politiques sociales qui répondent ou ne répondent pas à la fragilité et à la déprise de la vieillesse. Et alors, dans La Clé des Champs, André Comte-Sponville, justement, vous, vous évoquez euh, la manière de voir la mort venir, la mort euh, également comme euh, étant. Euh, Mieux appréhendé par certains philosophes, vous avez évoqué Montaigne et vous le citez notamment à plusieurs reprises. Euh, si nous avons besoin de sages femmes pour nous mettre au monde, nous avons besoin d'hommes encore plus sages pour nous en sortir. André Comte-Sponville. Pouvez-vous développer Oui, je pense à un recueil d'articles. L'avant-dernier article que j'appelais "mourir sans Dieu" était une commande qui m'était faite par une théologienne allemande qui m'expliquait qu'elle préparait un livre collectif pour les soignants notamment, portant sur l'accompagnement des mourants, mais d'un point de vue spirituel, ce qui est peu traité, notamment en France. Et elle me disait, j'aimerais avoir votre point de vue d'athée. Et donc je me suis demandé, qu'est-ce qu'un athée peut dire un autre athée en train de mourir. Et là, effectivement, Montaigne mène, mais aussi bien Lucrèce, Spinoza, d'autres. Voilà. Et parce que euh, affronter la mort, ça n'est pas la même chose pour quelqu'un qui croit en Dieu et qui donc croit éventuellement en une autre vie à, après la mort, ou pour l'athée, pour lequel euh, tout s'arrête à, à la mort. Euh, et donc, il y a à la fois une bonne nouvelle, c'est que si la mort c'est le néant, ce n'est rien. Et donc, il n'y a pas lieu d'en avoir peur. Pourquoi avoir peur de rien Sauf qu'une peur qui porte sur le néant, c'est ce qu'on appelle une angoisse. Et cette angoisse fait partie de la condition humaine. Et donc, j'essaye voilà, de, de, de penser euh, ce, ce, ce travail-là. Alors, ça peut être un homme qui nous accompagne, ça peut être une femme. Euh, Montaigne, lui, préférait mourir parmi les inconnus plutôt que parmi ses proches. Parti que, que j'ai assez à faire à me consoler moi-même, j'ai pas envie en plus de consoler mes proches. Ch chacun choisira en fonction de ses goûts, mais voilà, j'ai voulu réfléchir de façon anticipée à ma propre mort, bien sûr, comment je, je voudrais la vivre, et aussi, voilà, qu'est-ce que la philosophie peut dire d'un point de vue non religieux à quelqu'un qui est en train de mourir. Mais, est-ce que véritablement c'est quelque chose qui vous aide à appréhender la mort On en avait parlé il y a quelques années, André Comte-Ponville, tous les deux au moment du Covid. Est-ce que le fait de, de philosopher, cet apprentissage, cette perception de la mort que vous évoquez dans La Clé des Champs, est-ce que vous avez véritablement. Ah oui, ça D'abord, il y a l'argument indépassable d'Épicure, indépassable, mais pas illimité, pas sans limite d'Épicure. Épicure explique que la mort n'est rien, ni pour les vivants, ni pour les morts. Elle n'est rien pour les vivants puisqu'ils sont vivants, et elle n'est rien pour les morts puisqu'ils ne sont plus. Autrement dit, ma mort et moi, nous ne nous rencontrerons jamais tant que je suis là, ma mort n'y est pas. Quand ma mort sera là, c'est moi qui n'y serai plus. Alors cette idée, conceptuellement, est forte et donc ça produit un effet en soi. Sauf que il reste l'angoisse du néant. Et comme l'angoisse est un sentiment et pas une idée, aucune idée ne peut en venir absolument à bout. Reste alors à faire une espèce de travail sur soi, d'acceptation de, de la mort, apprivoiser la mort, comme dit Montaigne. Autrement dit, s'habituer à l'idée d'être mortel. Et là où notre société souvent fait tout pour nous faire oublier que nous allons mourir. Moi, je crois au contraire que penser à la mort, c'est une façon d'aimer davantage la vie parce qu'on a conscience de la brièveté et donc du, du prix formidable qu'il y a à être vivant. On va continuer à en parler, André comte sponville vous développez cela notamment dans la Clé des champs aux presse universitaires de France, on évoquera aussi le, le suicide qui est un thème important de votre dernier ouvrage, Rosemary, la grave euh, Se ressaisir et une conversation avec Annie Arnaud aux éditions de la On se retrouve dans une vingtaine de minutes, il est 8h sur France Culture. Les matins de France Culture, Guillaume Herner. Et l'on continue d'évoquer... Euh, la retraite, la vieillesse, la fin de vie, le suicide en compagnie de nos deux invités, autrement dit le philosophe André Comte-Sponville et la sociologue rose Lagrave. Une réaction Rose-Marie Lagrave à ce que vient de dire mon camarade Stéphane Robert dans son billet politique. C'est difficile. C'est difficile parce que c'est très nuancé ce que vous venez de, de dire. Je dirais que vous, vous posez le problème de, de à la fois la légitimité et la légalité et euh, euh, vous les opposez et en même temps, euh, ils ont à voir l'un avec l'autre. Et je dirais que euh, euh, les, vous dites, euh, on, on ne peut pas euh, gouverner avec des sondages, euh, et, et, mais en même temps, vous avez vu que l'Elysée en a fait un usage euh, euh, incroyable. Donc, il euh, euh, y, y a une imbrication de toutes les, les, les notions que vous avez euh, mises en avant et qui sont qui ne sont pas à, à renvoyer dos à dos mais à réinterroger dans le même moment pour euh, essayer de montrer qu'au au bout du compte euh, euh, qu'est- -ce, qu ce qui est légitime et peut-être pas légal mais légitime néanmoins et je, je dirais, je dirais c'est quand même toute la, la, euh, toutes les, 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 les nuances, les positions, les actions du peuple ont mobilisé euh, pour reprendre, euh, euh, voilà. Euh, et donc, euh, on n'a pas fait appel à, à toutes ces mobilisations, on les a, euh, on les a euh, euh, ignorées. Et euh, est-ce que c'est aussi légal que vous voulez bien le dire de, euh, de, de, de recourir au 47, au 471, au 493 Oui, c'est légal. C'est constitutionnel. Mais euh, euh, dans, dans, un, dans, dans un projet, euh, mettre les retraites dans un projet de rectification des finances et, et pas dans un projet euh, de, 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 de refonte de qu'est-ce que c'est que le travail et quelles sont les possibilités, je veux dire, cette réforme des retraites, elle vient euh, trop tôt. Il, il aurait fallu faire la réforme du travail. Quels sont ces métiers? Quel est le sens du travail? Quelle est le, la place du travail dans, dans un dans une dans une dans une, dans une vie? Dans, voilà. Et ensuite regarder les, les 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 retraites. Mais on, on fait le contraire. Hein et, et donc, euh, euh, ben, voilà, j'estime je, que euh, ce, ce 49-3, euh, vous avez pa parlé des violences policières et tout, y a un, le déficit, il est le déficit euh, en démocratie, un déficit de légitimité de Macron lui-même. Hein, voilà ce que je, je pourrais dire. André Comte-Sponville oui, moi, je suis, je suis toujours un peu gêné quand on oppose la légitimité et la légalité, même si vous l'avez fait en effet de façon euh, nuancée, parce que ça revient à délégitimer les institutions de la République. Et je trouve que c'est une pente toujours un petit peu dangereuse qui risque de faire le jeu des, des populismes de droite et de gauche, mais en l'occurrence, concrètement, surtout de droite ou, ou d'extrême droite. Et en même temps, vous avez raison, mais. Il y a quelque chose qui est lié à la situation politique et depuis longtemps, c'est dès lors que la France est divisée en trois tiers à peu près égaux. Une gauche très minoritaire, dominée en l'occurrence par la France Insoumise. Une droite très minoritaire, dominée ou attirée par le Front National, et au milieu hein, un centre très minoritaire aussi. Quel que soit le vainqueur de la prochaine présidentielle il sera minoritaire. Et ça, c'est très singulier, une situation politique où le vainqueur est minoritaire dès le premier jour de, de son mandat et donc va être accusé d'illégitimité. Et c'est pourquoi cette pente me paraît dangereuse. Quant au fond, euh, le plus clair, c'est l'échec de Macron. Voilà. Euh, moi, j'étais pas favorable au 49-3. Je préféré que la, la loi sur laquelle je me prononce pas, mais enfin, je partage, disons, tant de réserves sur cette loi, mais j'aurais préféré qu'ils qu aillent au vote. Soit la loi était votée, était bah, une loi de la République, soit elle ne l'était pas, on pouvait dissoudre, enfin, ou en tout cas, le gouvernement hein, pouvait, pouvait changer. Euh, donc il y a un échec politique euh, de Macron, malgré un relatif succès économique, et, il faut le dire malgré tout, pour être là encore euh, nuancé, hein, le chômage a reculé assez spectaculairement. Fait... Souvenez-vous de François Mitterrand, disant On a tout essayé contre le chômage, rien n'a marché. Euh, rappelons quand même à l'ami Mélenchon, si j'ose dire, qu'entre 81 et 95, deux septennats de Mitterrand, le nombre de chômeurs avait doublé, doublé. Pour un homme de gauche, que comme moi, c'est quand même une souffrance terrible, d'autant que, pour moi, le chômage était vraiment le cancer qui rongeait notre société, notamment le chômage de longue durée. Bon, Macron a réussi à le faire reculer, succès partiel, limité, mais quand même succès économique, mais échec politique, puisqu'au fond, il a été élu sur la volonté de réconcilier les Français, et il n'y a jamais eu autant de conflits, autant de, de tensions qu'aujourd'hui. Et donc là, si on est euh, confronté à un échec, si bien que, là, et je termine par là, <coughs> la vraie question, c'est comment on sort du Macronisme. Là, ça me fait penser à un débat entre mon ami Zvetan Todorov, qui est mort maintenant, et François Bayrou, dans philosophie Magazine, il y a cinq ou, cinq ou six ans, et Todorov explique alors Todorov, qui est un homme politique très modéré, de gauche modéré, il expliquait à François Bayrou qu'il ne voterait jamais pour lui, jamais pour un centriste, parce que disait Todorov, si le centre arrive au pouvoir, l'alternance après ne pourra amener que l'un des deux extrêmes au pouvoir, et c'est ce que je préfère éviter. Et bien j'ai envie de dire, nous y sommes. Macron ne peut plus être candidat, donc au fond l'histoire du macronisme c'est terminée. On voit bien que son parti n'est pas à, à la hauteur pour le, 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 trouver un successeur. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on en sort, si possible, en évitant, de mon point de vue, qui suis aussi un modéré, les deux extrêmes. Et donc ma position aujourd'hui pour sortir de la crise politique à laquelle nous sommes confrontés, c'est si on est de droite, soutenir la droite modérée pour éviter l'extrême droite, et si on est de gauche, soutenir une gauche modérée, afin qu'on retrouve au fond l'alternance traditionnelle entre une gauche modérée et une droite modérée. C'est moins exaltant que le grand soir, mais c'est ce qu'on appelle la démocratie. On continue d'évoquer la question de, de la retraite, de la vieillesse qui est au cœur de deux ouvrages que vous avez publiés, André comte La clé des champs, presse universitaire de France et Rosemarie Lagrave, une conversation avec Annie Ernaux aux éditions de l'EHESS. Et dans ce livre, une conversation, vous dites qu'il est question de définir autrement la vieillesse dans une optique plus féministe. Et j'aimerais que vous m'expliquiez, Rosemarie Lagrave, que peut être justement ce regard féministe posé sur la vieillesse euh, je, je dirais que euh, le regard féministe posé sur la vieillesse, c'est d'abord euh, un regard qui montre euh, les inégalités, alors euh, multiples et variées, qui n'ont qui pas trait que à la vieillesse entre les hommes et les femmes. Mais euh, je dirais la vieillesse est, est un moment particulièrement euh, saillant. Où l'on voit les inégalités entre les hommes et les femmes, euh, à, la, à la fois pour les retraites, à la fois pour euh, les conditions euh, euh, d'hébergement, euh, de, de possibilités et tout, euh, euh, différentielles. À ce moment-là, j'ai l'impression que c'est un moment de vérité qui grossit, euh, qui, qui fait comme une anti grossissante des inégalités antérieures. Et donc, euh, une, une approche féministe de la vieillesse serait de, de penser à hein, euh, comment. Comment vivre une vieillesse, des vieillesses très différentes selon les classes sociales, le, le, de, de, le plus harmonieusement possible, étant donné les, les conditions euh, d'hébergement de trous. Une des choses qui, qui, que, que je mettrai en avant aussi, c'est de montrer que il euh, y a un tabou de la sexualité des vieux, et notamment des femmes, mais pas seulement, et que euh, ce tabou-là, euh, dans les maisons de retraite, euh, les, normalement, les vieux, ils sont rassasiés sexuellement pour le pour le pour le reste de leur vie. On leur demande pas euh, s'ils ont des, encore des désirs sexuels ou des désirs culturels ou des désirs euh, de de, de, de de, de, de participer euh, mm -hmm. de, de façon citoyenne à la société, on, on les met quand même en retrait si, euh, de, de la vie sociale. Et il me semble que... Euh, 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 Essayer tout au long de la vie de, euh, de, de construire une, une, une sexualité moins performative, euh, euh, des, 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 mettre en, en avant des valeurs de solidarité, euh, d'attention à l'autre et d'attention à soi, euh, que, qui sont référées à, au, au féminin mais qui peuvent être euh, partagées par l'ensemble de la société, sont des manières d'assurer... De, 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 euh, plus harmonieusement, le moment de la vieillesse où les fragilités ou les dépendances et la déprise de soi du corps euh, euh, commencent à, à, à poindre. Voilà, alors c'est intéressant, notamment parce que c'est l'un de vos différents avec Annie Ernaux dans ce livre qui vient d'être publié La conversation Rosemarie d'Agrave, puisque apparemment vous, vous, vous n'êtes pas pas d'accord, Annie Ernaud dit qu'elle s'est refusée à penser à la vieillesse parce que c'était une perspective désespérante, euh, elle explique que pour elle, la période de sa vie la plus intense est située entre 45 et 60 ans et euh, qu'on ne peut pas se préparer à vieillir, vous n'êtes pas d'accord, Rosemary Lagrave moi, moi, moi je pense qu'on on, on, on se prépare à vieillir comme on se prépare à vivre je, je, on ne se prépare pas à vieillir. il me semble que ce que montre Simone de Beauvoir et ce que j'essaie de montrer moi dans mon bouquin, c'est justement que euh, si on, on, on apprend à vivre, on, on apprend à vivre avec les autres et que l'on met en avant des valeurs qui me semblent être des valeurs d'hospitalité. De, de solidarité euh, et pas de concurrence, de, de rapports sociaux brutaux, euh, voilà. Et y compris dans, dans des sexualités revues et corrigées, euh, euh, non perform performatives. Mais je ne comprends pas ce que c'est que des rapports de solidarité dans la sexualité. Non, pas, pas dans la sexualité, dans <laughs> tout, dans, dans, dans les rapports sociaux. Est-ce hein. euh, je... que vous, vous avez un, un langage très social dans votre manière oui. de l'exprimer, alors oui. que dans ce livre c'est quelque chose de plus existentiel et de plus sensible. Euh, vous pensez qu'il peut y avoir, je ne sais pas, une concurrence dans la sexualité C'est par exemple ce que vous fustigez une, une, une bah C'est ce, ce que vous venez de, de dire lorsque vous avez dit, voilà, il faut un autre mode de vie, il faut réinventer les choses. Oui, il faut, faut réinventer des choses, mais tout au long de la vie, parce qu'on n'invente pas des choses seulement à bout de souffle. Hein, je pense que euh, la vieillesse, elle est la continuité de ce qu'on a essayé de mettre en place tout au long de sa vie. Et donc, euh, euh, c'est à ce, ce, ce moment-là qu'on emporte qu euh, à la fois euh, les, les, les agréments et les désagréments. Et alors, pour répondre à la question à laquelle Annie Ernaud répond, elle dit entre 45 et 60 ans, c'est la période la plus heureuse de, de ma vie. Et vous, qu'est-ce que vous diriez, Rosemary Lagrave je, euh, ce qu'elle dit euh, surtout, elle, elle dit ⁇ Je veux que ma vieillesse soit une période de jouissance ⁇ Ça, c'est rare. J'ai trouvé ça génial. Euh, moi, je ne je sais pas si je veux que ma vieillesse soit une période de jouissance. Je dirais que j'aimerais que pour tout le monde, la vie soit une période de jouissance, mais je sais bien combien, selon les positions sociales que l'on occupe, on ne peut pas avoir une vie de jouissance. Il y a une vie difficile, des vies misérables, des vies empêchées. Hein et voilà, et toute ma mon livre, mon premier livre, le, le livre sur ce ressaisir, montre bien que euh, des, des gens de classe sociale, des gens de peu, ont des vies souvent empêchées. André Consponville, il y a un autre thème qui est abordé dans votre livre, La clé des champs. Ce thème, c'est celui de l'euthanasie et du suicide. Et vous l'appréhendez de manière autobiographique, avec des pages poignantes sur le suicide de votre mère. Peut-être quelques mots à ce sujet, sur la manière dont on peut appréhender cela, et justement, quelle liberté ou absence de liberté cela donne justement par rapport à la vieillesse <coughs> Alors ces deux sujets différents, le premier texte qui donne son titre au recueil, La clé des champs, porte en effet sur l'euthanasie, le suicide assisté, et le titre est un clin d'œil à Montaigne. Montaigne écrit dans les essais, Le plus beau cadeau que nature nous ait fait, c'est de nous avoir donné la clé des champs. La clé des champs, c'est-à-dire le droit de s'en aller. Autrement dit, je pense comme Montaigne pensait, et comme pensaient tous les philosophes de l'Antiquité, et aujourd'hui la totalité des philosophes non religieux, je pense que le droit de mourir, y compris volontairement, fait partie des droits de l'homme. Et donc je demande à la, lég... à la loi, qui va être votée bientôt, d'autoriser ce qui actuellement est interdit, l'euthanasie pour les patients en, en phase terminale de... de maladie, et le suicide assisté, pour ceux qui veulent mettre fin euh, à leur jour. Euh, parce qu'il faut préciser deux choses s'agissant euh, d'euthanasie. La première, c'est que l'euthanasie et le suicide assisté, ce sont deux choses différentes. La différence, c'est que dans le cas de l'euthanasie, c'est le soignant, le médecin en règle générale, qui donne la mort. Euh, dans le suicide assisté, c'est le patient lui-même qui... A Prend le comprimé que le médecin lui a proposé, qu'il avale, ou c'est le patient qui appuie sur la pompe de la perfusion qui va envoyer le produit létal dans les veines ou les artères. C'est pas du tout la même chose. Parce que moi, les médecins me disent souvent, pour expliquer leur résistance ou leur réticence devant l'euthanasie, les médecins me disent souvent Je n'ai pas fait médecine pour tuer les gens. Ben oui, je le comprends bien. Parce que finalement, s'agissant d'euthanasie, les médecins et nous, les patients, nous ne sommes pas, si j'ose dire, du même côté de la seringue. Parce que nous, on attend l'euthanasie comme un service. Écoutez, j'en ai marre de souffrir, euh, libérez-moi de ça. Sauf que pour le médecin qui pousse la seringue... Ce n'est pas un service, c'est un homicide. Et je comprends qu'il ne soit pas pour. Et c'est pourquoi dans tous les cas où le patient peut de lui-même avaler le, la substance létale, le breuvage létal, ou appuyer sur la, la pompe qui met la perfusion en marche, il vaut bien mieux qu'il le fasse. Et donc le suicide assisté, ça vaut beaucoup mieux que l'euthanasie. Et dans toutes les situations où les deux sont possibles, il faut bien sûr privilégier le suicide assisté. Mais il y a quelques cas, rares, mais quand même plusieurs centaines par an, où le patient ne peut pas le faire. Rappelez-vous du jeune Vincent Humbert, paralysé des quatre membres, euh, aveugle, muet, qui supplie sa mère de l'aider à mourir. Il n'était même pas en état de prendre un comprimé ou d'appuyer sur la pompe de la perfusion. Sa mère, avec l'aide d'un médecin, a satisfait à sa demande. J'aurais fait pareil que lui, j'aurais fait la même demande dans la même situation. Et j'aurais fait pareil qu'elle, pareil que sa mère. Voilà. Et donc je suis pour la légalisation des deux, suicide assisté et euthanasie, mais en privilégiant le suicide assisté dans tous les cas où c'est possible. Et puis deuxième précision, il faudra évidemment prévoir une clause de conscience. De telle sorte qu'aucun soignant ne soit jamais contraint de pratiquer une euthanasie ou d'aider à un suicide si c'est contraire à ses valeurs morales ou religieuses. C'est ce qu'on a fait pour la loi Veil. Il y a une clause de conscience, aucun médecin n'est jamais obligé de pratiquer une IVG euh, s'il y est opposé. Et bien loin que cette clause de conscience ait empêché la loi Veil, au contraire, c'est ce qui l'a rendu possible. Eh bien, moi j'attends une loi avec la même clause de conscience pour rendre possible ce que j'appelle l'IVV, c'est-à-dire l'interruption volontaire de vie. Et sur la base de ces deux distinctions, entre le suivi assisté et l'euthanasie d'une part, et en rappelant l'exigence d'une clause de conscience, je pense qu'on peut arriver à une loi, je ne dirais pas une loi consensuelle. La loi Veil n'a pas été consensuelle. Rappelez-vous des débats, des polémiques enflammées. Elle a été apaisante, c'est-à-dire que 30 ans plus tard, personne n'a envie de l'annuler. Eh bien, s'agissant de la fin de vie, je ne souhaite pas une loi consensuelle, il faudra que la République tranche, c'est le rôle du Parlement, mais je souhaite une loi qui s'avérera au fil des années apaisante. Rosemary Lagrave. Écoutez, je, je ne peux que qu être d'accord avec vous. Euh, J'ai signé euh, des pétitions multiples et variées, euh, vous aussi d'ailleurs, euh, dans le Nouvel Observateur, mais aussi euh, j'avais dans, dans mon livre, j'en appelais justement à un autre, euh, euh, un appel. Des 343 femmes qui, ont, qui avaient demandé euh, d'avorter dans le Nouvel Obs, je me disais, on devrait faire la même chose pour une, inter une interruption volontaire de vieillesse. C'était euh, des proches qui avaient dit ça dans, dans Monsieur euh, Cyclopède ou un truc comme oui, ça. Oui, voilà. Et la minute. Et, et donc, euh, euh, je suis tout à fait d'accord pour, pour euh, en, en, en disant il y a un parallèle, il y a une analogie, il y a une homologie entre les femmes qui ont, de, qui ont dit euh, voilà, je me suis fait avorter, et il y avait un certain nombre de médecins qui les ont, euh, ont euh, accompagnés. Et puis, euh, cette, cette demande de, de, de suicide assisté et d'euthanasie, où effectivement, il y a aussi des médecins. Qui, 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 qui sont d'accord pour, pour le faire, même s'il faut une clause de conscience. Et euh, euh, il me semble que euh, obtenir un droit, c'est le, le, le prendre ou ne pas le prendre. Je veux dire, le, le, si le, le, le suicide assisté, l'euthanasie, est légalisé, euh, ce que j'espère et ce que je crois, euh, tout le monde n'est pas obligé d'y avoir recours. Mais ça donne la possibilité de le faire, que l'on veuille ou non, et de pas partir comme nous le faisions dans les années 60 en Belgique en, en, ou en Angleterre pour se faire avorter. Alors que maintenant, il y a des euh, certaines personnes partent en Suisse ou en Belgique pour avoir un, 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 un suicide assisté, d'accéder donc au. Oui, mais au je voulais Suisse. revenir parce que vous évoquiez et l'euthanasie et le suicide de ma mère. Je voulais dire que c'est pas du tout la même chose. Ma mère, simplement, elle était malheureuse. Elle était dépressive. Peut-être qu'avec les antidépresseurs que nous avons aujourd'hui, peut-être ne serait-elle pas morte. Euh, autrement dit, il ne s'agit pas du tout de mon point de vue, surtout pas de faire l'apologie du suicide. <laughs> Moi, j'aime la vie et je souhaite vivre le, le plus longtemps possible. Mais j'ai fait ce dernier texte. C'est une histoire un peu particulière. Euh, ce dernier texte que j'ai appelé « Maman », donc qui porte sur ma mère et sur mon enfant. J'ai trouvé que j'avais été invité à une émission de télévision à la Grande Librairie par François Bunel. Et à ce moment-là, j'étais le seul invité au début de l'émission. Il se trouve que le journaliste Bunel m'interroge sur mon enfance. Et donc, j'ai parlé de mon enfant de ma mère, de mon père. J'étais sorti un peu gêné d'avoir été aussi intimiste, presque, presque impudique. Euh, donc, je me reprochais un peu d'avoir dit ce que j'ai dit. Sauf que rentrant chez moi, j'ai découvert dans les jours qui ont suivi des dizaines de mails de gens que je ne connaissais pas, des lecteurs, qui me demandaient Mais dans quel livre avez-vous parlé de ce que vous avez dit à la grande librairie Je leur répondais bah, Dans aucun livre, je ne l'ai jamais écrit. Et plusieurs m'ont dit bah, Écoutez, écrivez-le. Et ça m'a paru... Légitime et surtout important parce qu'au fond, quand on est philosophe, bien sûr, il y a un travail de concept, de raison, mais il y a aussi une biographie derrière. Forcément, toute pensée est incarnée. Alors, il se trouve que moi, voilà, j'ai grandi, j'ai appris à vivre et à aimer dans le malheur de ma mère et donc dans l'opposition à mon père, puisque je rendais mon père en partie injustement, en partie à juste titre, responsable du, du malheur de ma mère. Et, et donc, il y a là une, dans cette enfance douloureuse, pas pas dramatique, c'est pas du zola, mais voilà, quand on grandit, quand on vit dans le malheur de sa mère, il faut peut-être philosopher un peu plus pour s'arracher à ce malheur-là. Alors ma mère était malheureuse et dépressive. Et ce qui m'intéresse, c'est que c'est pas la même chose, le malheur et la dépression. Sauf qu'elle avait les deux, Alors, parfois simultanément, parfois en alternance, mais surtout, toute dépressive qu'elle fût, il arrivait à ma mère d'être gay de bonne humeur, de faire semblant d'être heureux sauf que justement ça sonnait faux. On sentait que c'était une part de théâtre, de cinéma et donc petit, j'avais le sentiment que la joie était du côté de l'illusion et qu'à l'inverse la vérité était du côté de la tristesse. Et donc j'étais très mal parti dans la vie. Et il a fallu la philosophie pour m'aider à comprendre le contraire, le contraire, à savoir que c'est l'illusion qui rend malheureux parce que toute illusion mène une désillusion et que c'est la vérité qui aide à vivre parfois joyeusement. C'est à retrouver dans la clé des champs votre livre aux presse universitaires de France. Un, un dernier mot, Rosemarie Lagrave. Est-ce que vous avez retrouvé ce même rapport avec la sociologie André Comte-Sponville explique qu en quoi la, la philosophie l'a aidé à vivre. Est-ce que vous, c'est la sociologie qui vous a aidé à vivre Ah oui. Oui, oui. Euh, la sociologie euh, est, c est, c est. Comment dire Comme, comme, comme dévoilement euh, des. De toutes les, les empêchements, les difficultés que j'ai eues comme transfuge de classe. Et quand je dis ça, euh, je, je m'inscris je en faux contre ce que disait, euh, il me semble, dans votre émission, Gérald Bronner, en disant, euh, oh là là, mais ces transfuges de classe que sont Annie Ernaud, euh, Didier Ribon ou euh, Chantal Jacquet. non, pas Chantal Jacquet. Édouard Louis. Édouard Louis euh, sont, euh, c'est du, c'est du dolorisme. Euh, mais attendez, euh, parler des, de, des effets subjectifs des dominations ça n'est pas du tout du. L'humilité. Lui racontait une autre histoire. Euh, ah bah oui, mais non, 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 mais c'est oui, mais et, euh, on, on peut, avoir, on peut. Euh, euh, il dit j'en suis fier. On, les autres peuvent être fièvres de vous, mais être fier de soi-même, c'est un était peu fiers bizarre. Des siens. Des, des siens mais en même temps euh, voilà euh, et donc la sociologie moi ce qu'elle m'a permis c'est de c'est d'essayer de, de mettre à distance les, les effets euh, d'une culture euh, euh, première pour essayer de de, de de trouver des émancipations de vivre mieux ça c'est vraiment pour moi euh la sociologie, c'est très important. Merci d'avoir été là tous les deux. Rosemary Lagrave, on retrouve se ressaisir et une conversation avec Annie Ernaux aux éditions de l'EHESS. Et la clé des champs par vous-même, André Comte-Sponville, aux presses universitaires de France. Dans un instant, le point sur l'actualité.